Vous pensez que la lecture d'un tableau de garantie est difficile? Pas de panique, nous allons tout vous expliquer. Regardons d'abord les postes de remboursement. Ces postes s'organisent par grands thèmes. Soins courants dont la pharmacie, dentaire, optique, aide auditive, hospitalisation. Viennent ensuite les colonnes. Chacune d'entre elles présente les différentes formules que vous pouvez choisir, avec de gauche à droite les formules initiales pour basculer vers la formule intégrale plus. Les remboursements exprimés en pourcentage correspondent au niveau de garantie selon la formule choisie. Dans ce cas précis, la complémentaire santé viendra compléter le remboursement du régime obligatoire pour atteindre 100% du tarif de base de la Sécurité sociale. Grâce à eux, vous saurez donc à quelle hauteur vous serez remboursé. Prenons un exemple. Vous consultez votre médecin traitant, lequel vous facture la consultation 25 euros, correspondant à la base de remboursement de la Sécurité sociale. Le remboursement de l'assurance maladie est de 17,50 euros, moins la contribution forfaitaire de 1 euro. Vous avez donc un reste à charge de 7,50 euros. Comme la formule initiale de votre contrat vous garantit une couverture de 100% et qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires, votre complémentaire santé viendra compléter le remboursement afin que vous n'ayez pas de reste à charge. Les remboursements forfaitaires en euros peuvent être annuels ou journaliers. Ils concernent des prestations pas ou peu remboursées par votre régime obligatoire et donnent droit à un montant fixe en euros. Les garanties avec une double information se lisent de la manière suivante. Un remboursement du régime obligatoire et de la complémentaire santé en fonction du tarif de base de la Sécurité sociale, exprimé en pourcentage, et un forfait exprimé en euros. Ils permettent de bénéficier d'un meilleur remboursement. Prenons un exemple. Votre couronne vous coûte 500 euros. La prise en charge de votre complémentaire santé et du régime obligatoire est de 125% de la base de remboursement de la Sécurité sociale, soit au total 150 euros. À cela s'ajoute un forfait de 250 euros supplémentaires. Il restera donc à votre charge 100 euros. Enfin, les frais réels indiquent que Pacifica prend à sa charge la totalité des dépenses engagées pour une prestation, comme par exemple le forfait hospitalier. Voilà, vous savez à présent lire un tableau de garantie.